après bac là. Après bac. Au niveau santé, puisque tout le monde connaît, je fais un check-up tout. Tout le bagage est en forme. Au niveau sommet, c'est là lui-même. Je dis un sommet assez intéressant. Côté que ça m'a noté, qui était plus important, c'est surtout la résolution qui votait côté que tout le pays, les 33 pays, et qui forment la CELAC, font résolution côté que vous pouvez participer à la reconstruction d'Haïti. Donc c'est une résolution qui est importante pour nous faire suivre sur lui, pour nous capables, à travers le plan que nous avons nous-mêmes pour la construction, pour le développement, pour nous voir qui jeunes rentrer dans le plan ça, pour que nous aider à avancer. Tout ça, pour nous agir dans 5 nous, que c'est l'éducation et l'autre bagaille. Donc en gros, aussi foutu parce que tu as un sommet CELAC Union Européenne, sommet, tu as une rencontre CARICOM Union Européenne, pour nous qui jeunes qui nous façon pour à travers un marché libre que vous voulez mettre, un marché unique, là, que profit à cap pour tout le pays. Seul la réforme Haïti fait très attention à vous dire, puisque nous n'avons qu'un gens pour nous protéger. Ça qu'a fait en Haïti, si on entre dans un système de marché libre, la paix est en péril. Ça que nous-mêmes nous faisons ici, parce que le marché extérieur, là, son marché qui est plus puissant de par dimension, donc coût de fabrication, coût de production, li, très minime par rapport à ça que nous-mêmes. Donc, entrer dans le concept, l'album, il faut voir des moyens, et c'est pour ça que nous demandons au moratoire, parce que normalement, d'après ça que tu as signé en 2009, Haïti t'a supposé, pas Haïti, et tout pays région CARICOM, t'a supposé. Et une formule que vous respectez pour entrer dans le libre-échange avec les pays de l'Union Européenne. Et je dis à l'étape constitue des avantages pour nous, parce que nous avons une façon pour produire nous entrer sur le marché, soi-disant, et pour produire l'autre pays, entrer sur le marché, nous libre-libre. Mais la chose, c'est que produire l'autre pays, c'est des produits qui sont régulés, qui ont des normes, qui répondent à certaines conditions. Donc pendant nous-mêmes, nous pensons que les produits par nous étaient n'importe qui bateau, nous avons des produits, nous avons très peu de produits qui, comme je dis, qui sont régulés. Très peu de produits. Donc il est important pour nous penser à ça, pour nous entrer dans un concept de réflexion avant, pour nous normaliser et produire nous. Comme il y a venu les traçabilités, tout connaît, hein, pour que un produit arrive sur le marché extérieur, là, ils demandent à ce que les gens comprennent qui va produire ça, sorti. Donc, qui pied boit le sorti, qui route lui fait qu'il vient traiter avant de arriver côté arriver dans pays étranger ça. Donc, c'est impératif pour nous-mêmes pour nous capables de monter une formule côté que nous récupérer données ça. Donc, un tas de choses comme ça. Et puis Haïti, longtemps c'est trois cas qui ont son quartet parce que Haïti, qui est chez Amand CARICOM, qui occupe la présence CARICOM, donc on est en Chita, dans le bureau, c'est là que la même. Donc on est en 4 chaises qui ont à partir du sommet ça que fait là. Donc Haïti, Chita à côté et l'autre 3 membres. L'un de 33 pays adopté une résolution pour participer dans la reconstruction d'Haïti, on ne parle que d'opportunités. Opportunité pour créer un emploi, opportunité pour faire plus d'avancées dans l'éducation, dans le secteur touristique, de la reconstruction en général. Quel conseil d'objectif vous avez visé au départ avant tes parties, qui sont dit par rapport à l'objectif de avant? Bon, tout le bagage extrêmement bien passé. Parce que, encore une fois, résolution son gros bagage. Le fini, différentes rencontres que nous réussissons à faire avec des leaders qui étaient présents, notamment. Le président mexicain, le président dominicain, la présidente du Costa Rica et un peu l'autre monde. Nous rencontrons le secrétaire général de l'OEA, Jean Soulsa, nous rencontrons le secrétaire adjoint
aux Nations Unies. On a parlé des élections, même l'un de l'autre bord, nous parlons de l'élection. Donc, c'est des rencontres qui permettent que Haïti est positionné dans l'instance ça, pour connaître qui je n'ai pas avancé, qui est fort qu'a fait, qui je n'ai boulé à l'élection, qui est important ce que nous avons environnement, côté que nous avons dit trois grands pays sous la terre qu'on a parlé de problèmes environnement. Ouais, donc, certainement, un peu retombé positif, qu'on il s'agit. Il s'agit encore que y arrive bon ici. Est-ce qu'il y a privé, On a le problème que je demande PM, moi. Et je souhaite avec la majorité au du Grand Parlement, on pourra vraiment s'asseoir pour repenser tout ça. C'est la question de l'administration publique qui lourde. Ouais, je dis à nous, il y a près de 3 millions de dollars et pour projet signé PM. Près de 700 millions de dollars de contrat signé des projets. Pétro carré. Dans les dernières résolutions, 350. Dans les dernières résolutions, il y a 350 millions de dollars de projets. Dans tout projet, ça, combien qui dérapé déjà? Pas en pile. Pas en pile. Et parce que la machine en elle-même elle est compliquée, elle est lourde. Donc, mon gars a dit, le gouvernement ne va pas faire rien, l'État ne va pas faire rien, le président ne va pas faire rien, le PM ne va pas faire rien. C'est pas ça la chose. La chose, c'est que il y a des procédures. Vous êtes obligé de suivre les procédures et les procédures lourdes. Donc, il y a un bail que nous avons parlé sur lui déjà, qu'il s'agit que nous chutons ensemble pour nous concerter, pour nous voir qui bon nous a fait des réformes pour que. Tout projet nous avons pu calper vite parce que c'est à travers le projet ça, que nous avons pris emploi, c'est à travers le projet ça, que la construction est possible. C'est à travers le projet ça, que nous sommes capables de rendre pérenne une série de décisions que nous prenons. Okay? Donc, c'est un problème que nous avons de tout temps. Et je crois que nous allons obliger de faire un travail sur ça si vraiment nous soucions.